suivant ton GS, j'ai mon anti-sèche au cas où. Donc vous avez un premier bloc d'une minute trente de long cycle. Donc une minute trente, mon objectif à moins 2 kg au poids de compète, pardon, poids de compète, j'ai 18 reps à faire. Donc 18 reps à faire en 1 minute 30, ce qui vous fait à peu près, on va dire 15 RPM plus 3, à peu près. Donc 18 reps en 1 minute 30. J'ai 1 minute 30 de récup, j'ajoute 2 kg à mon poids, et là je fais donc 1 minute 30 encore avec objectif 16 répétitions. Donc un petit peu moins, 16 répétitions. Je prends 1 minute 30 de récup et là j'ai un bloc de 4 minutes de long cycle cette fois. Et sur ce bloc de 4 minutes, mon objectif au poids de compète, donc je redescends en charge volontairement, c'est de me maintenir à entre 12 et 14 RPM, donc cadence très rapide. Donc si possible 12. C'est rapide, je le sais, c'est le but du jeu, donc on travaille en conditioning, on travaille donc qui peut le plus, peut le moins. Donc si j'arrive à aller haut sur un petite période, 4 minutes c'est quand même relativement long, mais c'est moins long que 10 minutes, et eh bien peut-être je peux après avoir une bonne perf sur des longues périodes. Donc objectif entre 12 et 14, si c'est impossible de maintenir cette cadence ne serait-ce qu'à 12 pendant 2 minutes, 3 minutes avec le poids de compète, descend en charge dans ces périodes.